peu de silence. Pas faire de bruit. Chut, chut. On chuchote, on chuchote, on chuchote, on chuchote. On chuchote, on chuchote. Ok, c'est bon. Alors. Oula, toi tu vas pas faire mon feu. Allez, viens ici. Allez, oust! Tu dégages, ok. Il y a des monstres vers là-bas. Allez, vite. Non. Faut pas se faire repérer. Il est là-bas, ok, c'est bon. Bon. Ouf, j'ai eu de la chance. Cher ami, c'est Black Paradise, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours bloqué ici, dans cet avion, avec les rescapés. Nous sommes en pleine nuit. Nuit noire, je viens récupérer les affaires que j'avais placées ici, il y a quelques temps maintenant. Et si je pouvais tout simplement m'éloigner des monstres, ça m'irait bien. Bon, alors chers amis, voilà, on peut parler normalement. On risque pas de réveiller nos chers amis qui sont en train de dormir vers là-bas. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, car aujourd'hui j'ai pris la décision de me diriger vers la queue de l'avion. Là-bas où nous étions déjà allés, où nous étions tombés sur ce village abandonné, j'ai décidé d'y retourner. Car souvenez-vous qu'il y avait deux chemins. Et ces deux chemins, eh bien j'en ai emprunté un qui menait à ce village totalement paumé, où il n'y avait absolument rien, mis à part quelques joyeuses ressources. Voilà, là, non. Qu'est-ce que c'est que là-bas? Il y a des monstres vers là-bas. Oh, il y a des monstres vers là-bas, il y a des monstres partout. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'il serait plus sage d'attendre le début de la journée. Et donc, en attendant, je vais faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de monstres. Je vais me crafter quelques petites choses. Parce que, je vous l'ai dit, je compte aujourd'hui retourner à la queue de l'avion. Retourner pour voir s'il y a des survivants. Pour voir si des gens sont encore là. Pour ça, j'ai besoin de m'équiper. Je me suis déjà crafté une petite épée. Allez, viens, toi! Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, hop! Ok, d'accord, ici il y a des monstres qui explosent, c'est un peu le bazar, c'est le bordel total. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, le jour est en train de se lever. Je propose, avant d'aller là-bas, effectivement, nous ne sommes pas fous, chers amis. Nous allons nous équiper, hein, bien sûr, j'ai une petite combinaison sur moi. Je vais me faire... Qu'est-ce que je vais me faire? Allez, je vais me faire des petites bottes, si c'est possible. Voilà, les petites bottes. Nickel, j'ai des petites bottes. Et maintenant, je vais me faire un arc, parce que je pense qu'un arc pourrait vraiment me servir. Car j'ai aussi des flèches. Et qu'un arc, ça peut être utile avec des flèches. Voilà, bon alors. Un petit arc. Yeah, voilà. Nickel. Bon, ma chère amie, regardez là. Chers amis, j'ai désormais mon petit arc. Et mes petites flèches qui vont avec. Oh, quelle est la position de cette flèche? C'est assez étrange. D'accord. Je vais garder mon arc. Allez-y, camarade. Hop! Oh là là, quelle puissance. Bon, d'accord, je vais peut-être me refaire des flèches en route. J'ai un arc, des flèches, une combi, un peu de soupe, d'ailleurs il va falloir que je mange un petit peu parce que là, ça devient assez critique. Je pense que nous pouvons partir. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Je pense que nous pouvons partir, une fois que j'aurai terminé mes soupes. Nickel. Je pense que nous pouvons y aller. Allez hop, c'est parti. Nous y allons. Hop, hop, hop et hop, voilà. C'est bon. J'ai atteint le sommet. Bon alors, où en est-on? Où en est-on ici? Effectivement, nous avions... déjà pillé ses coffres. Les coffres, sûrement les bagages des rescapés. Est-ce que les rescapés sont toujours en vie après ces quelques jours de naufrage? Oulala. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors le sang est toujours là. Il est devenu un peu plus sec que la dernière fois. Ok, c'est peut-être à cause de... Je ne sais pas. Il y a peut-être pas d'humidité ici. Je n'en sais rien. Et on va... On va suivre les traces de sang qui vont nous mener... Sûrement au deuxième chemin, celui que nous n'avions pas emprunté la dernière fois. Et nous avions bien fait, je pense, parce que je n'étais pas assez équipé. Désormais, c'est bon, j'ai ma petite tunique, j'ai ma petite combinaison, mon arc, mes flèches et mon épée. Voilà, donc là, on y retrouvait au final le village abandonné. Et là, oh là là, c'est pas rassurant, regardez-moi, il y a les têtes de squelettes
De squelettes d'hommes! Oh là là, ça se trouve, c'est les nôtres! C'est les nôtres, c'est nos hommes! C'est les naufragés. À l'entrée, on dirait un espèce de donjon. Je pense qu'on peut y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouh là 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 là. Ah, qu'est-ce que je vois là? Ok, donc on va prendre son temps, on va garder son calme. Et on va faire des torches. On va faire des torches parce que sinon on va pas. Ouh là là, j'entends des bruits de zombies, j'entends des bruits de méchants zombies comme comme j'ai pu en voir. Oh là là, il est là. Ah! Prends ça! Prends ça! Écoutez, vous avez entendu? J'ai entendu un cri. J'ai entendu un effroyable cri. Je ne sais pas d'où ça venait. On va se donner un peu de courage, on va boire un petit peu. Et surtout, on va pas oublier de mettre de la lumière. Parce que sinon, on va se perdre. On va se perdre. D'accord, bon. Alors, on va y aller doucement, mais on va y arriver. On va y arriver. Que se passe-t-il ici? Ici, il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien à voir. Y a rien à voir du tout. Juste un peu de ficelle à prendre. Il y a du bois par dizaines. Là, si on a besoin de bois, on ira ici. Bien entendu. On ferme cette porte parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ouh là là, il y a une espèce de tête de zombie assez étrange. Je l'ai récupérée, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, des toilettes, des toilettes! Oh, du cuir, d'accord, je prends. Surtout, Black, tu n'oublies pas une chose. Tu arrêtes de t'encombrer de tout et de n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois, tu t'encombres et t'as plus de place après. Et voilà, les poches sont pleines et voilà. Oh, un coffre! On s'en fout de la chair de zombie, on s'en fout complètement. J'ai dit qu'on s'en foutait, mais je la prends quand même, on sait jamais. Si j'ai plus rien à manger. Ok, d'accord. On est bon, on est bon. Du charbon, je prends. D'accord. Bon, alors surtout, ne pas se perdre, ne pas se perdre. Est-ce que je suis bien parti pour me perdre au final? Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a cet étrange chemin qu'on va laisser de côté pour l'instant. Là, on a fait. J'ai l'impression que ça fait un cercle, regardez. Là, il y a l'entrée. Ah, ici. Bon, bah, c'est la même chose. Ah, j'arrive pas à récupérer. Bon, c'est pas grave. Je prends de la ficelle, ça me servira sûrement à faire des arcs pour plus tard. Si je... Oh là 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 là. Ok, il se passe quoi? Ok. C'était un piège, c'était un piège. Oh là là. J'ai récupéré la flèche, c'est bon. Oh là 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 là, eh, ne me refaites plus jamais ça. Une toile d'araignée, on s'en fout. Pour l'instant, un bâton. Je prends le bâton. Le bâton est mien. Oh, chers amis, j'ai vu un monstre. J'ai vu un monstre tout vert. Il était tout vert et... Oh! Reviens là tout de suite. Allez! Oh, je l'ai eu. Alors, on va utiliser ce qu'on nous a donné, enfin ce qu'on nous a donné, ce que j'ai plutôt pillé, on va dire, d'avant, c'est-à-dire ceci. Est-ce que je vais en bas? À l'attaque! Il y a quelqu'un? Il y a personne, il y a personne, c'est bon, il y a personne, il y a personne, Black, il y a personne, Black. D'accord, très bien. Ah, merde. Bon, faut que je détruise ça à la main. On y va. Voilà, on va faire un petit chemin parce que sinon... On va pas y aller. Ok, très bien. Bon, on est plutôt bon. Notre inventaire est déjà plein. On peut plus rien faire. Je vais laisser une fiole, hein, on sait jamais. J'en ai déjà pas mal. Une plume, je sais pas à quoi me servent les plumes. Bah, ça me fera sûrement des... De quoi faire des flèches, hein, voilà. Une ficelle, génial, sublime. Bon, nous sommes pas mal, nous sommes pas mal du tout. Je me suis fait un petit endroit pour revenir au cas où. Alors, on va explorer ça tout de suite. Je continue mon exploration. Pas très rassuré, hein, je vous le cache pas. Oh, mais c'est intéressant. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord, rien de spécial apparemment. Oh merde. Je peux plus remonter. Ah là, c'est bon. Très bien. C'est vraiment un donjon assez mystérieux. Comme on peut le voir en haut, c'est fissuré. Donc il y a quelque chose. Il y a l'air d'avoir des choses en haut. Je vais peut-être remplir mes fioles ici, avec un peu d'eau. Voilà, nickel. On va boire un petit peu, hein. Ça fait pas de mal. Bon. Alors, oulala.
C'est de là où je viens, donc y a rien à craindre. Bon. Je vais continuer. Alors, il y avait un espèce de long couloir tout à l'heure, donc je vais essayer de me diriger vers le long couloir. Ok, le piège est désactivé, c'est bon. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Non, on avait déjà exploré ici. D'accord, bon bah là, bah voilà, on a déjà exploré ici, tout est bon. On est bon, on est plutôt bon. Donc on a exploré cette partie du donjon. Il reste plus que la partie assez sombre du couloir qu'il faut encore aller explorer. Voilà, qui était juste là. On va y aller doucement, les amis. On va y aller très doucement. J'ai pas envie de me prendre un piège encore. J'ai appris assez. Y a quelqu'un? Je le prends. Je prends. Je prends aussi. Y a personne. Ah, ingénieux. Bon. Où est-ce qu'on va? D'accord. Bon, on va continuer. On va continuer ici. En plus, les couloirs sont assez étroits, je trouve. J'aurais pu faire un truc plus rassurant, quand même. Là aussi, c'est bon. Il y a vraiment personne. J'ai l'impression que c'est vraiment vide. Est-ce que ça serait comme le village et ça a été abandonné? Il y a forcément quelque chose. Il y a une trace parce que, bah, logiquement, des gens sont passés par là. Ça a été habité. Regardez un petit peu le mobilier. C'est fait pour être habité. Et là, il y a même des lits ici. Il y a des lits ici. S'il y a des lits, ça veut dire que ça a été habité. Moi, je pense qu'il y a, y a des gens qui ont vécu ici. Je vais y laisser une poule. Oh! Ma poule! Ma poule! Attends-moi, ma petite poule. Attends-moi, attends-moi. T'es pas en sécurité ici, donc viens. Viens, viens. Tu veux pas venir? D'accord, bah tu viens pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis encore? Pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Quoi? Comment ça, t'as entendu un bruit? Bah moi aussi j'entends des bruits, mais je ne sais pas c'est quoi. Attendez. T'entends ce bruit? T'entends ce bruit? Oh! Les villageois, ils sont là! Je les ai reconnus! Eh ma poule, ma poule! T'écartes pas trop, t'écartes pas trop, d'accord? Tu restes ici, d'accord? Surtout, tu restes ici. Chers villageois! Attendez, attendez bien sagement ici. Est-ce que ces interrupteurs... Ah oui, c'est bon. Oh, non, tu les auras pas. Ah non! Commence pas à me manger. Ah, je vous préviens. Ok, bon. Ah, un os, d'accord, je vais le prendre. Attendez, chers villageois, du coup, j'arrive! N'ayez plus peur! Je suis là, bonjour. Chers villageois, je reviens avec des provisions. Oh, des provisions pour vous. Ah, vous avez un peu soif? Ah bah vous m'étonnez. Comment ça, tu veux des livres, toi? Hein, je peux pas te donner de livres, hein, j'en ai pas assez. Tu veux des livres pourquoi? Hein, c'est pas le moment d'étudier. Bon, t'as un peu soif, toi, je te donne un peu de... Voilà. Je te donne à boire, très bien. Oh, génial. Une carte. Ça tombe bien, j'avais perdu la mienne. J'avais perdu la mienne. Bon, bah du coup, chers villageois, est-ce que vous pouvez me suivre? Non, vous voulez pas me suivre, vous voulez rester ici? Ne dites pas que vous dormez là-dessus quand même. Très inconfortable, très inconfortable. Vous avez entendu? J'ai entendu un bruit. Il s'est passé quoi? Il y a une explosion là, j'ai entendu une explosion. J'ai entendu une explosion. Vous voulez encore un peu d'eau? D'accord, mais c'est ma dernière, hein, vous en faites bon usage, hein, d'accord? Où est parti votre ami, là? Ah, votre ami, vous couchez ici. Bon, il n'y a pas de problème, hein, tant que ça ne le dérange pas. Je vous ai ramené un peu de soupe, hein, aussi. Vous voulez pas de la soupe? Oh, d'accord, très bien. Bah, je vous garde la soupe, d'accord? Je vous la garde pour tout à l'heure. Mais, comment dire? Il y a 4 villageois, j'ai 4 soupes. Ça veut dire que moi, je vais devoir manger de la chair putréfiée, de zombies, hein, comme on a pu le voir avant. Il y a des pièges partout ici. Et je commence à avoir très faim. Et en fait, bah, je me rends compte. Mais vous allez où, cher villageois? Vous allez où? Partez pas sans moi, d'accord? Partez pas sans moi, d'accord? Je sais que vous rêvez de partir parce que vous êtes bloqué là depuis des lustres. Mais ne partez pas sans moi. Il faut que je finisse d'explorer tout ça. Mais avant ça, faut que je mange. Allez, vous savez quoi? Je vais manger ça. Ça se trouve, c'est plein de vitamines, la chair putréfiée. Bah ça va, je l'ai plutôt bien vécu. J'ai mangé. J'en remangerai pas deux fois, donc je vous la laisse, mais j'en ai mangé, ça va, ça passe. Ça passe très bien. Bon, du coup, il me reste 4 soupes, hein, une pour chacun d'entre vous. Vous m'entendez? Attendez, ils m'entendent plus, là, je parie. Oh! Attention.
Prends ça, Satan! Là, 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 là. Regardez, ils sont là, ils sont là. Oh, oh là 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 là. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Oh, non, vous n'aurez pas mes villageois. C'est rescapé. Non, vous ne les aurez pas. Restez là. Reste là, toi. Reste là. Non, 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 non. Cherche même pas. Tu l'auras pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de vous cacher là, là. Venez. Et pourquoi vous vous dispersez aussi? Suivez-moi. Suivez-moi un petit peu. On va retrouver la sortie. Il faut juste qu'on regarde s'il n'y a pas d'autres personnes, hein. Voilà. Il n'y a pas d'autres rescapés, excusez-moi, hein. Monsieur, monsieur. Ça peut-être temps d'y aller. Non, j'ai plus d'eau. Arrêtez de me demander de l'eau, j'ai plus d'eau du tout. Mais un peu de lumière ici. Je pense qu'on a fait presque un peu le tour de l'endroit. Oh là 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 là. Non. Ok, d'accord. Vite, 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 vite. Du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Non, non, non. Il y a des... Non, vous ne l'aurez pas. Non, vous ne le tuerez pas. Non, non. Vous n'avez pas fait ça. Ah non. Vous n'avez quand même pas osé. Oh non. Oh non. Chers amis. Oh non, c'est pas possible. J'ai le regret de vous informer que un des nôtres est mort. Un des nôtres est mort aujourd'hui. Oh non. Ah, t'es d'autres. Attendez, s'il est mort, ça veut dire que je peux manger sa soupe? Oh bah allez-y, je prends la soupe. Je disais. L'un des nôtres est mort, c'est... Oh là là. Quelle catastrophe, les amis. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? On pose cette question. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas! Satan, créature! Créature immonde. Reviens, reviens! J'ai une épée. Ah bah d'un coup, quand j'ai une épée, tu dis plus rien, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre Madal ici, et on va s'en aller au plus vite de cet endroit de malheur, hein, je tiens à le dire. Ok. Dites-moi qu'ils nous ont pas vus. Ok, c'est bon, je l'ai tué. Ah, vas-y, go, go, vite, 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 vite. Vite, 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 un squelette. Oh là là, mais quelle créature, les amis. Oh, mais il y avait une issue juste ici. Ah ouais, d'accord. J'ai plus de torche, j'ai plus de torche, je ne peux plus savoir où nous allons. Où... Ok, il y a des monstres un peu partout. D'accord, vite, 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 hop. Prends ça, créature. Je crois qu'il y en a encore un là. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous faire des petites torches, vite, 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 au plus vite, au plus vite. Ok, très bien. Oh, une créature, une créature, une créature. Vite, vite, vite. Une immonde créature verte. Hop. Allez, c'est bon, on l'a eu. Attention, il y a forcément des pièges. Ok, c'est pas un piège. D'accord, très bien. J'ai eu un os. Quoi va nous servir cet os, je sais pas. Bon, je propose que nous allions très vite retrouver nos petits amis. Nos petits amis pour partir. Malheureusement, nous ne repartirons qu'à deux. Parce que l'un des nôtres est mort aujourd'hui. C'est malheureux. Alors, vite, 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 on y va, on y va. Il faut retrouver la sortie maintenant. Il faut retrouver la sortie. Par où est la sortie de ce géant labyrinthe? Bonjour mon cher, venez avec moi. Allez hop, venez, venez. Par où vous allez là? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous cacher là, je vous dis. Ça ne sert à rien. De toute façon, suivez-moi. Vous verrez bien la sortie. Vous allez me suivre. Allez. Alors, la sortie se trouve, si je ne m'abuse... Ouh là là, j'entends des bruits assez étranges. On va la retrouver, la sortie. On va la retrouver. On va la retrouver. Ah, la voilà, la sortie. En plus, la nuit est tombée. Bon, bah, nous avons délivré nos deux petits villageois de cette espèce de prison. Malheureusement...
L'un d'eux est mort dans la nuit. Nous n'avons pas pu faire autrement. Je vais le laisser, à mon avis, il a peut-être des petites choses encore à récupérer parce que voilà. Je vais laisser le villageois ici. Je pense qu'il arrivera à retrouver son chemin sans trop de problèmes. Moi je vais m'en aller. Ah non, non. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu fais toi? Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je vais aller vite, 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 vite. En haut. Le jour se lève, magnifique, magnifique. Oh, je vous jure. On vide ces choses de nos jours. Non, 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 non. Oh! Et là, il y a le village, il y a le village. D'accord, très bien, bon. Alors toi, tu vas arrêter de m'embêter. Non, 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 non. Oh là 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 là. Vite, ok, c'est bon. On est bon. D'accord. Est-ce que l'autre s'est décidé à me rejoindre ou pas? Je ne sais pas trop. Hop, toi tu meurs. On va quand même lui dégager un petit peu la route, au cas où. Oh, quoique non, c'est bon. A priori, ces créatures n'ont pas l'air de bien résister à la lumière du jour, donc ça va aller. Nous nous retrouvons donc ici, avec pas mal de choses sur nous. Ici, voilà. Coincé un petit peu. Je pense que nous allons essayer de retrouver notre camp initial, et nous allons annoncer la bonne et la mauvaise nouvelle à nos chers rescapés, amis villageois. La bonne étant que nous avons sauvé aujourd'hui l'un des nôtres, mais nous avons aussi perdu l'un des nôtres. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, on est obligé. Hein, c'est le voyage, c'est comme ça, hein, on ne pouvait pas faire autrement. Malheureusement, il s'est fait attraper par un espèce de zombie assez étrange. Et nous ne pouvons faire autrement. Bref, sur ce, je vais me diriger vers là-bas, histoire d'annoncer les petites nouvelles.